Calligraphe de la modernité, Sanyu marque son époque par la maîtrise de son geste. Un parfait équilibre entre la chorégraphie du pinceau et l'immobilité du sujet. Venu de Chine à Paris dans les années 1920, il fut à la fois l'héritier de l'art millénaire de son pays et acteur des audaces de l'avant-garde européenne. Il a tracé un pont d'une radicale modernité entre deux univers jusqu'à sa disparition en 1966. À la suite d'Henri-Pierre Rocher qui le découvre dans les années 1930, Jean-Claude Riedel, marchand inspiré et enthousiaste, fait sortir Sanyu de l'oubli dans les années 1970. Les 45 dessins à l'encre et au crayon de sa collection témoignent de cet art singulier et délicat. Des dessins de nus y côtoient des visages de femmes, le tout emmené dans une danse sans fin entre l'encre et le papier. L'exquise simplicité du trait chez Sanyu transporte le spectateur dans un univers poétique, vers la beauté pure, sortie d'un Éden asiatique.